drame familial vécu à Lapio, à 5 km de Didir. 12 membres d'une même famille y ont perdu la vie de suite d'une consommation de mets locales. Les services techniques du ministère de la Santé font état d'une intoxication aux pesticides. Dans ce village, on a enregistré 13 morts au total. Et 10 jours après, 5 personnes sont décédées à Puitenga dans la région du Centre-Est en 2019. Et en 2020, 8 morts ont été enregistrés à Kwele dans la région du Sud-Ouest. Les restes des mets locaux consommés par les défunts ont été envoyés au Laboratoire national de santé publique du Burkina Faso pour investigation. Les analyses confirment la présence de pesticides dans les derniers repas des victimes. On a pu avoir des prélèvements biologiques, naturellement donc le sang ou les urines ou les vomissures qui restaient pour donc réaliser les analyses là-dessus. On trouvait donc quelquefois des pesticides dans ces produits alimentaires. Dans la grande famille des pesticides agricoles mis en cause, on recense les herbicides, les insecticides, les fongicides, les acaricides, les bactéricides classés aussi selon leur composition chimique. Vous avez les organochlorés. Organochlorés, ça veut dire que un produit organique, c'est-à-dire c'est le carbone, c'est l'hydrogène, c'est l'oxygène, et il y a des atomes de chlore qui sont greffés là-dessus. Ça, on appelle les organochlorés. Donc, c'est une classe de pesticides comme l'endosulfan, le pyriphos, etc. Et le problème de ces pesticides, c'est qu'ils sont persistants dans la nature. Donc, ce qui fait que, et c'est des composés qui sont solubles dans la phase lipidique, dans la phase huileuse. Donc ça peut entraîner une bioaccumulation au niveau de l'organisme. Donc tout ce qui est graisse au niveau de l'organisme, ça s'accumule là-bas et à un moment donné, ça peut créer des problèmes de cancer, etc. Il y a les organophosphorés aussi, qui est une autre classe de pesticides, comme la propénophos, etc. Mais aussi nous avons les pyréthrinoïdes. Au Burkina Faso, les pesticides doivent être homologués avant leur utilisation dans les champs. Pour découvrir les risques sur l'homme et son environnement, nous nous rendons au laboratoire de toxicologie de l'Institut de recherche en sciences de santé, IRSS, à Ouagadougou. Ça va consister à des tests de laboratoire de toxicité, toxicité sur des rats, toxicité en termes d'irritation ou de sensibilisation de la peau sur le lapin, et ainsi de suite. À l'issue de ces tests, on fait une évaluation de risque et le dossier est transmis à un organe. Donc, au niveau des pays du CIRS, il y a un comité sahélien des pesticides basé à Bamako, donc qui se charge de l'examen du dossier. Ici, à Bobo-Dioulasso, le processus d'homologation se fait en partie sur le terrain par l'équipe de l'Institut de l'Environnement et de recherche agricole INERA. Nous allons avoir une parcelle où, bien sûr, le traitement va s'effectuer à la dose prescrite. Et également, nous aurons des parcelles non traitées. Voilà. Et par la suite, nous allons faire un décompte. Voilà, un décompte et voir l'effet, bien sûr, sur les mauvaises herbes. Voilà. Et également, des échantillons de sol sont prélevés avant traitement, après traitement et tout le long du stade phénologique de la plante pour voir l'effet de ces pesticides-là sur les micro-organismes du sol. La colle, minute, rapide, mort subite, ce sont les noms de code donnés aux pesticides selon leur efficacité par les producteurs. Les pesticides viennent principalement de l'Afrique de l'Ouest, de l'Asie et de l'Europe. Des pesticides sont importés légalement. Cependant, certains arrivent sur les marchés locaux grâce à la fraude. Une autre partie est reconditionnée au Burkina Faso à partir de matières actives importées. L'homologation cible uniquement les produits formulés. Donc là, il arrive que des produits, des matières actives qui sont interdites en Europe soient encore utilisées dans la formulation de pesticides qui sont commercialisés ici en Afrique. Donc il y a plein d'exemples comme le chlorpyrifos et d'autres pesticides, matières actives qui sont interdites parce que
elle pose des problèmes de santé ou des problèmes environnementaux connus, et ces problèmes sont universels, mais du fait que nous avons un retard dans l'examen de ces matières actives fait que souvent on continue de les utiliser avec bien sûr le risque que nous courons pour la santé et pour l'environnement. Ces risques sont accrus car 95% des distributeurs inquiétés n'ont pas d'agrément délivré par le Comité national de gestion des pesticides. C'est le constat fait en 2016 lorsque la Convention de Rotterdam a financé une étude au Burkina Faso sur l'utilisation des pesticides durant la campagne agricole dans trois régions que sont la boucle du Mouhoun, les Cascades et les Hauts Bassins. 216 formulations de pesticides ont été recensées, dont 112, soit 52% seulement, sont homologuées au Burkina Faso. Environ 90% des pesticides retrouvés au Burkina Faso sont utilisés dans la culture du coton. Une équipe de chercheurs de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologiques, IRSAT, a fait une autre étude de caractérisation dans les cultures maraîchères urbaines, semi-urbaines et rurales sur les sites de maraîchage à Bobo-Dioulasso. Nous avons également remarqué lors de la caractérisation que près de 60%, que ce soit en milieu urbain, semi-urbain et rural, près de 60% des pesticides qu'ils utilisent ne sont pas homologués pour le maraîchage. Et une bonne partie n'est même pas du tout homologuée sur les cultures de consommation. On rencontre beaucoup de pesticides qui sont destinés à la cotonculture. Ce triste constat de l'utilisation des pesticides du cotonnier sur les légumes est malheureusement une réalité dans la commune de Ziyaré. À Koudougou, Dr Gontier Nilankwande, enseignant-chercheur dans son rapport sur le coût des mauvaises pratiques dans l'usage des produits chimiques dans le secteur agricole, note que l'endosulfan, strictement interdit de vente et d'utilisation dans toute l'Afrique de l'Ouest, est pourtant utilisé par environ 90% des producteurs. 50% de ces producteurs ne savent ni lire ni écrire pour arriver à distinguer les pesticides homologués ou non. Lorsqu'on fait du jardinage et qu'on a envie de gagner de l'argent et en utilisant des produits chimiques, est-ce que ce besoin d'argent est toujours raisonnable? Est-ce qu'il nous conduit à notre objectif final qui est celui d'accroître le bien-être de notre famille quand on connaît les maladies et les problèmes que cela peut engendrer? Au Burkina Faso, en plus de l'ignorance, plusieurs études et travaux ont mis en exergue le non-respect des bonnes pratiques phytosanitaires. On note l'emploi de produits normalement destinés à la protection du cotonnier et de produits frauduleux prohibés sur les cultures maraîchères, un non-respect des doses prescrites et du calendrier de traitement, un non-respect des règles d'hygiène conseillées lors des traitements et une élimination inadéquate des restes de produits et des emballages vides. Plus de 50% de producteurs ne se protègent pas et exposent leur peau, leur nez et surtout leurs enfants. Chaque année, le ministère en charge de l'agriculture fait de la chasse aux pesticides non homologués ou périmés sa priorité. Les services techniques ont saisi environ 8 tonnes de pesticides non homologués en 2020 et plus de 4 tonnes en 2021. Ces chiffres sont en deçà des quantités réelles qui échappent au contrôle des agents techniques. Le produit qui n'est pas homologué, on peut mentionner sur l'étiquette ce qui n'est pas vrai à l'intérieur du produit. Voilà, on va vous dire que non, que l'étiquette, que le produit n'est pas toxique pour la santé humaine, n'est pas toxique pour l'environnement, alors que les molécules que ça contient à l'intérieur sont très très toxiques.
Donc en ce moment, on ne peut pas savoir quelles sont les dispositions qu'il faut vraiment prendre pour pouvoir se protéger. Nous avons rendez-vous au service de pneumologie au centre hospitalier universitaire Yalagodo et Draogo pour s'enquérir des potentiels dangers des pesticides sur la santé humaine. Certains malades contaminés aux pesticides arrivent en consultation dans un état grave. En milieu rural, d'où ils viennent, 80% des producteurs reconnaissent avoir ressenti au moins un malaise pendant ou juste après le traitement d'herbicides de leur champ. Les principaux symptômes rapportés lors des études sont des affections dermatologiques pour un pourcentage de 5, suivi des problèmes respiratoires environ 15%. Au niveau donc des voies respiratoires, on peut avoir des personnes par exemple qui ont le nez qui coule. Chaque fois, ils ont des rhumes à répétition, des personnes qui ont le nez bouché, des personnes qui toussent, des personnes qui ont des maux de gorge, etc. Et ces signes-là peuvent aller jusqu'à la difficulté respiratoire, donc la personne peut siffler, etc. Et si la personne a un certain nombre de maladies, ces maladies peuvent s'exacerber. Par exemple, des gens qui ont l'asthme, ils peuvent, donc l'exposition à ces pesticides-là peuvent exacerber leur asthme. Il y a des gens qui ont des maladies qu'on appelle les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Ça peut exacerber aussi et donc leur pathologie. Donc à côté des manifestations respiratoires aiguës, lorsque l'exposition s'installe dans la chronicité, il peut arriver maintenant que le poumon se détruise. Hein, parce que le poumon est un organe qui ne régénère pas. Donc il y a une destruction du poumon. Et le poumon devient un tissu qui est fibrosique. On dit en ce moment qu'il y a une fibrose pulmonaire. Et donc, à partir du moment que le poumon ne régénère pas, la personne sera dans une situation qu'on appelle une insuffisance respiratoire chronique. Et comme beaucoup d'autres organes travaillent avec le poumon, ces organes-là vont être atteints. Donc, c'est le cas du cœur qui travaille avec le poumon pour nettoyer le sang. Donc, en ce moment, comme il y a une fibrose au niveau du poumon, il y aurait une augmentation des résistances et le cœur ne pourra plus bien travailler. Donc, le cœur va s'abîmer au long cours parce que c'est le poumon qui est déjà gâté. L'usage des pesticides est susceptible de contaminer les sols, modifiant ainsi leur composition physico-chimique et affectant leur qualité tout en impactant la biodiversité. On avait des vers de terre, on avait des grenouilles, on avait des crapauds, mais à force d'utiliser souvent les pesticides qui sont de façon incontrôlée, non seulement ça engendre la perte de ces biodiversités. Imaginons si on fait les traitements, il n'y a pas de vers de terre, alors que c'est les vers de terre qui créent des trous dans les sols qu'on appelle les galeries. Et ces galeries permettent non seulement au sol de respirer correctement, maintenant, si les sols respirent correctement, ce qui veut dire que tout ce que nous cultivons normalement va croître rapidement. Ça permet également à l'eau de s'infiltrer, ça permet également à la plante de s'enfoncer à travers ses racines. Mais s'il n'y a pas les vers de terre, donc ce qui veut dire que la terre va se compacter. Et si la terre se compacte, il n'y a pas de respiration. S'il n'y a pas de respiration, il y a une perte de fertilité et par conséquent, ce que nous allons vouloir produire, ça ne peut pas donner. La contamination va atteindre les animaux aquatiques, c'est-à-dire les poissons qui sont là, les crapauds, les grenouilles, les crevettes, les écreviches, etc. Les tortues qui sont très sensibles à ce type de produits. Aujourd'hui, les risques existent certes sur les eaux de surface utilisées par les producteurs pour la préparation des pesticides. Les eaux souterraines, source d'eau potable, courent aussi un grand risque. Les puits qui sont à côté des champs de coton sont contaminés. Ça, c'est évident, parce que lorsqu'on pulvérise, l'air est contaminé, et lorsque le puits fait 10 mètres ou même 20 mètres, les résidus de pesticides retombent dans le puits et c'est contaminé. Et souvent, c'est de l'eau que va consommer donc les producteurs et d'autres personnes. Certains forages sont contaminés. Dans les zones où l'activité et d'utilisation des pesticides intenses. Par exemple, les zones de production maraîchère ou bien les zones de production cotonnière. Et on a pu remarquer que les résidus de pesticides se retrouvent dans les forages. En termes économiques,
Les dommages des pesticides désignent les pertes de qualité de vie des populations et les pertes financières subies par les activités économiques résultant de la modification de la qualité de l'environnement. À Kédougou, les pertes économiques se chiffrent en milliards. Kédougou perd dans la commune, par exemple, 5 milliards de francs CFA annuellement, rien que par l'usage de ces produits chimiques. Et ça, nous savons que c'est une sous-estimation. Et quand on regarde l'ampleur du phénomène, les zones qu'on n'a pas pu toucher, etc. Et ça, ça correspond aussi à peu près à une perte annuelle d'en gros 18% du PIB local, hein, quand on fait, quand on ramène le PIB au niveau donc, de la région. Pour conjurer cette problématique, ces dernières années, des agriculteurs et les maraîchers du Burkina Faso, environ une centaine, réunis au sein du Centre national de l'agriculture biologique, Cenabio, fondent beaucoup d'espoir sur la recherche pour développer des biopesticides ou biocides. Chacun est dans son champ, prépare sa soupe, met sur ses plantes, ça marche. C'est toi seul qui sais que ça marche. Donc, pour que les gens croient, il faut véritablement mettre la recherche sur ces produits-là pour les rendre plus crédibles. L'Institut de recherche en sciences appliquées et technologiques IRSAT à Ouagadougou produit des extraits de plantes pour pallier l'utilisation à grande échelle des pesticides de synthèse. À partir des graines de Nîmes, vous avez un certain nombre de molécules qu'on appelle des limonoïdes, dont l'azadiractine elle-même, qui est le composé majeur, qui agit sur les insectes communs en les coupant l'appétit. Voilà, il coupe l'appétit et il perturbe le système de reproduction. Donc si vous pulvérisez un extrait de Nîmes sur votre champ de choux, sur votre champ d'oignon ou votre champ de tomates, vous n'allez pas observer cet effet knockdown qu'on observe chez les insectes. L'insecte sera toujours dans votre champ, mais petit à petit, les dégâts vont régresser. Il va commencer à manger et puis il n'aura plus faim. Il ne va pas s'alimenter et finalement il va périr. En attendant la production à grande échelle de pesticides protecteurs de l'homme et son environnement, ils sont des millions dans les champs au Burkina Faso à utiliser les pesticides non homologués et dangereux. Avec fatalisme, ils ont fait l'option de produire pour se nourrir au lieu de mourir de faim. Au Burkina Faso, on est donc en sursis. Et pour combien de temps encore ?